Lundi 17 décembre 2018, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Téléjournal sous Télévision Nationale d'Haïti. Main grand titre pour Assoya. Travail barrage hydroélectrique qui aura poursuivre dans la localité Marion, section communale Grand Bassin, dans la commune Terrier Rouge. Directeur départemental agricole Nord-Est, agronome Sylvain Salma, bat bravo pour Jean Travail Silayo, ap avancé. Plusieurs travaux lancés officiellement lundi 17 décembre dans la commune Cité Solaire. National en santé et développement, CCISD, dans tête collée à ministère santé publique et population, MSPP, lancé vendredi 14 décembre, deuxième phase projet Prisma dans l'hôpital La Providence dans Gonaïve. Projet ça a concerné santé maternelle et santé timoun, sorti zéro pour arriver 5 l'année. Ministère Affaires sociales a travaillé pour établir 775 restaurants communautaires dans tout le pays. Chaque restaurant a une capacité pour bailler 400 à 500 moun manger chaque jour. Examen baccalauréat permanent a commencé lundi 17 décembre. Candidats ont répondu présent pour déroulement première journée dans différents centres examen Silayo. Il faut encore nous saluer et puis remercier tout le monde qui branchait Téléjournal là sur Télévision Nationale d'Haïti dans présentation à Soya. Céline est là qui en hydroélectrique yo après poursuivre dans localité Marion, section communale Grand Bassin, dans commune Terrier Rouge. Directeur départemental agricole Nord-Est là, agronome Sylvain Sama, bat bravo pour Jean Travaillot avancé. N'a invité nous suivre un reportage avec Richardson Jourdan et puis Pams Jean-Baptiste. Travail barrage hydroélectrique a réalisé dans Marion, section communale Grand Bassin, commune Terrier Rouge, qui a plusieurs objectifs. Non seulement la permettre divers mondes dans le département à bénéficier de courant électrique, la aider tout, planter, agriculteurs, jeunes de l'eau pour user jardin, et puis tout, permettre qu'il tire la pêche là pour exprimer satisfaction pour avancer qui déjà fait dans le cadre de travail. Nous avons seuil numéro 2 qui est déjà fini à 100%. Okay? Nous avons déversoirs là, côté où nous vraiment avancé dans déversoirs là. Actuellement là, nous sommes en prison, tuyaux fin placés, armatures fin mettre, maintenant nous avons coulé béton maintenant sous prison là. Agronome Sylvain Samako, travail barrage Marion, il y a un paquet d'importance pour mon Nord-Est. C'est dans ce sens là, il fait qu'on est à travail chaque jour pour arriver dans l'objectif fixé. C'est mobiliser, nous allons mobiliser le volume de l'eau que nous avons besoin, qui pour produire courant électricité, qui pour produire, qui pour bailler de l'eau pour irrigation, et qui permet de nous bailler de l'eau potable dans la zone. Nous impliquer dans tout ce qu'a fait. Ça veut dire assurer nous que le travail a marché, bailler tout appui, que ce soit et moyens financiers, jeunes Zolan, c'est le trésor public qui a financé pour le moment le travail. Ça, ça veut dire nous mettons pile accent sur le travail. Ça, côté que ministre de l'Agriculture, le directeur général, la, toute direction qui concerne le ministère a mobilisé des travailleurs pour que le travailleur avance. Barrage Marion, c'est pour le deuxième barrage pays pour le bénéficier grâce à caravane de changement. Autorité concernée dit avancer dans le travail pour comment il a fini avec le délai prévoit pour ça. N'a prêté sous même lancer ça pour nous faire qu'on ait un travail compactage à continuer dans le département sud. Remblayage continue à faire sous deuxième tronçon route Cap-Soti, Cafoubero pour arriver 10-6 et puis travail élargissement yo continue à faire sous route Manichlan. Louis-Nel Jean-Louis avec l'Aurore d'Orly Jean-Jacques a été visité département sud pendant le week-end là et a présenté nous un compte rendu. Après finissement, première phase de son route qui sortit Kafou Méridien, arrivé Kafou Béro dans la commune Tobek, travail a avancé à grand pas dans la deuxième tronçon Sahara qui a sorti Kafou Béro pour arriver du 6. Remblayage, compactage, 0.40 avec imprégnation, c'est diverses étapes qui déjà franchies dans la deuxième tronçon Sahara d'après Forman et Gilles Pierre. Là, voilà, c'est trois tronçons liés. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie qui commence Méridien, arrivé Kafou Béro, tronçon Sahara finit. Actuellement, on a tout un tronçon qui m'apprend de Kafou Béro pour arriver du côté 16. C'est la dernière là.
Et puis tout, même côté A, m'a tout attamé et l'autre son BA, m'a tout attamé et c'est maintenant qu'a venu là du côté du Bouey. Parce que du côté du Bouey là, il y a plus de travail là-dedans. Faut gagner pelle mécanique, faut gagner doseur au bon, faut gagner chargeur. Et matériel ça presque disponible là pour nous pour commencer trop sur ça. Ça va qu'à faire. M'a fait débroussaillage, même gagner blé m'a prévu pour là. M'a fait débroussaillage, m'a fait remblé, m'a passé couille de bazar qui donc 040 31.5 et puis tout m'a fait impréhension. Si bien regardé, m'a gagné n'importe 300 mètres. Il était imprégné déjà. Voilà. Et d'ici lundi là, m'a préparé 400 mètres encore, m'a commencé à soit semaine dans cabinet. Citoyens qui fréquentent route ça parce que c'est témoigner gratitude yo pour travail qu'a fait yo. Toutefois, citoyens ça souhaité pour travailler pas camper dans route. Ça fait longtemps depuis que nous avons besoin route là et c'est une t'a fait mal sous machine, sous moto tout ça. Et dit me sauver avec le travail ça qui fait là, nous sentons soulagés. Et moi félicite président et me dit le travail a continué. Route là mon pas de circuler là-dedans à l'aise mais qu'on y a là tout est bien. Ici a été un problème surtout pour machine, pour mon cabécan. Et puis ça a été un problème mais pendant route là fait ça nous sentons nous content pour route là cap fait là. Nous bien content. Et nous ta content route là prolonger pour aller jusqu'à 16 et puis ou encore tout. Il était vraiment impraticable. Raison nous quand depuis quitter Carrefour Méridien, river ou surtout river Carrefour Méridien pour prendre direction pour venir ici, tout le monde commençait plein, yo dit mais route l'enfer. Quand il y a là, lorsque vous êtes au point route ça, il y a du route 9. Là, il dit président merci parce que M. c'est un homme qui a une volonté et toute salle de dîner qu'on parle, il prouve que il est toujours campé derrière vous. C'est même constat pour commune Maniche, travail et l'agissement à terrasse. Jean-Bernard Ulysse, qui est 48e section commune Maniche, explique que péripéties habitants dans la commune et qu'on passe sur route là, les pouilles transporter marchandises et puis à régler leurs besoins. Kazekwili s'est déclaré travail qu'a fait yo pour le permettre gain plus l'ouverti pour commune là. Maniche c'est une commune Mabdio qui t'a souffri depuis longtemps et puis nous t'es soif travail ça tout. Et puis forme tout bien depuis gouvernement monté moi elle t'ai fait appel à travaux publics pour te river dans commune Maniche, nous même population Maniche dans forme tout bien chaque jour n'a dormi river travail ça. Et ceci, il faut me dire bien, nous sentir son bénédiction liée pour nous. Parce que c'est pas un bagage aujourd'hui, en après temps. Moi, depuis petit monde, m'a passé dans la route ça. Il faut me dire bien, aujourd'hui, à la, moi, c'est un grand parc fait. Et je m'a demandé à gouvernement tout. Pour t'a gagné plus grand, j'ai fort fait toujours. Parce que, arrivé à route Maniche, il finit fait, il faut me dire bien, nous-mêmes, bah, qu'on a qui que, qui nous a dit gouvernement ça, qui ça le fait pour nous. Nous-mêmes, parce que nous soif travailler ça. Tout côté gen route moi dit développement déjà arrivé dans zone ça on prend là regarder un petit pick-up qui saute passer là taler avec un chargement banane yam tant d'autres l'autre bagaille encore mais si pas gen route comme d'a dit yo pas t'ap kavini machine ça ouais saute prendre là saute prendre juste qui côté akye on prend c'est grâce à percé pendant tracteur ça yo rive dans commune là yo fait percé au niveau section communale yo là on prend des anader qui est une grande localité dans la commune Maniche toujours, dans la 8e section. Là où est percé, arrivé matériel ça dans la commune, percé qui est en fait là-dedans, il y a un bon bagage qui n'est pas perdu. Il y a un gros bagage gouvernement qui a fait. Dernièrement, dans la section communale ça, là, je suis comme si je prends exemple de Anader toujours. Tu as un monde qui était malade. Pendant le tracteur, tu as mon coup de pelle moi-même comme Kazek. Tu as un monsieur qui a une maladie qui prend lui. Et selon douleur a été sous lui n'a nous relon machine nan écrivé le prend lui l'elle rivé l'hôpital docteur a dit si monsieur te fait des aides dans dehors il t'a mouri mais qu'on y a ouais importance route là avec que qu'on y a monsieur ça dans tout travail il a fait toute bagarre lui mais tandis que docteur gétan dit s'il te fait des aides dans pas gétan arrivé autre fois 4 aides dans monsieur pas t'a pour déplacer sur la calle là non aïe sous tête nous t'a pas le portel pour aller bagaille. Ouais, mais on prend exemple de yon vie. À chaque fois, les messieurs ça, les passer moi, messieurs ça. Moi-même, dans toute activité, me sentis son victoire. C'est pour le gouvernement aider toujours. Faire plaisir effort pour nous. Et c'est ça, Napton. Nous besoin de route Maniche. Même j'ai avec toute route nationale. Travail infrastructure routière ça y a réalisé grâce à Caravane Changement, qui c'est une stratégie l'État central mettait en place pour faciliter service de base yo, rivé dans section communale yo.
Et puis, nous retournons dans Port-au-Prince pour nous faire connaître un plaisir de travail lancé officiellement lundi 17 décembre dans la commune Cité Soleil, toujours dans le cadre de caravane changement. Activité ça a fait en présence diverses autorités dans la commune Lente, en cours députés, magistrats, Kazek, Azek, et délégués Villa. Rachel Saint-Fort et Bernard Marseille a présenté nous un compte rendu. Selon plusieurs autorités communales, c'est environ 2000 personnes qui ont besoin de jobs dans le cadre de travail SAIO qui lancé jeudi à la Cité Soleil à travers le caravane changement. Responsable expliqué, le travail SAIO visé pour trouver une solution à quelques problèmes que la population est confrontée tant que le problème ravine au bail, si tout le la pluie a tombé. Jeudi à pour porter une solution avec la ville, avec Glorio dans la commune Cité Soleil. Nous allons commencer dans la question du curage. Nous allons commencer avec un valet qui va faire un petit job pour curer. Par exemple, pour Abléa, nous connaissons une situation difficile. Pour Canaille, nous connaissons une situation. Jeudi à, les gens vont avec support Taïwan, nous voyons les caravanes pour nous commencer à curer Canaille, commencer à drainer les canal secondaire. Action, c'est contrôler l'action gouvernement, contrôler si travail yo vrai, ou intensité de main d'œuvre. Yo bay tout bon vrai. Est-ce que yo vini vrai pour mettre l'argent dans poche peuple là pour aider peuple là avec besoin fin d'année et continuer pourquoi pas et pour mois de janvier février. Non pour parler me dégain avec ministre travaux publics là environ 2000 moun pral jeune travail dans commune là. Son travail qui a duré 3 mois, même passé dans 3 mois, moi même moi vle que changement réel tout bon vrai à travers tout ensemble de problèmes sortis de là, l'école nationale, route, place fierté, terrain football, canal. Et nous avons Wav Jérémy, nous avons l'autre problème, nous avons Fort Dimanche qui a des problèmes d'eau potable, et nous avons tout problème commune Cité Soleil. Nous avons près de 7 canals, mais priorité c'est le canal Saint-Georges 1 avec Saint-Georges 2. Divers habitants zone nan, félicité autorité dans l'État pour l'initiative si là, et puis souhaiter les continuer. Nous avons travaillé ça assez longtemps, depuis longtemps. Pour qui ça? Parce que depuis la pluie a tombé, toute zone est inondée, surtout pour Gédouya, Bois Neuf et Cité Gérard, toute Cité Soleil entièrement, livrée, crasée, plate. Ça veut dire que le gouvernement nous dit gouvernement merci en pile, parce que nous venons avec le programme ça, pour peuple Cité Soleil. Nous avons mis longtemps pour nous détendre ça, pour nous dériver une jeune. Comme nous venons avec délégués, avec députés magistrats, avec Kazekio. Madame la Présidente, je vous remercie. Les autorités communes n'ont souhaité travailler sur un changement. Et puis, dans page 101, on a fait connaître Centre coopération internationale en santé et développement, notre tête collée avec ministère santé publique et population, lancé vendredi qui était 14 décembre, deuxième phase projet Prisma dans l'hôpital La Providence dans Gonaïve. Projet ça cap exécuté dans le domaine santé maternelle et santé timoun, sorti zéro pour arriver 5 l'année, joint financement pays Canada pour yon valet 20 millions de dollars canadiens. Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay a présenté nous un reportage. Projet prise en charge intégrée santé maman et timoun dans la Tibonite Prisma vient renforcer pour deuxième phase là. 9 ambulances sa yo, c'est une nan nouveauté projet Prisma 2. Yo bien équipé pour répondre à toute qualité urgence qui mande des soins rapides pour complications dans la grossesse. Yo pral desservi Gonaïve et zone qui tout près yo. Ça vient ajouter sous 8 ambulances l'État haïtien te gagné pour tout département la Tibonite là. Avec cette dotation, le parc d'ambulance de l'Artibonite passe de chaque jour davantage le centre ambulancier national. Et bientôt, à partir du trésor public, d'autres ambulances viendront augmenter la flotte existante et de plus, il est prévu la construction de centres ambulanciers régionaux. Monsieur le représentant du gouvernement du Canada, le gouvernement haïtien apprécie à sa juste valeur la contribution du gouvernement canadien dans le développement du système de santé. La santé maman et timoun, que ce soit dans la construction et réhabilitation infrastructure, fourniture médicaments et équipements, ou soit formation personnelle santé. Docteur Ludzen Sylvestre, c'est responsable Centre coopération internationale dans santé, CCISD, cap géré projet ça pour pays Canada. Nos actions auront un impact réel sur la population
c'est quand toutes les femmes de l'ère du projet, les femmes enceintes de l'ère du projet, se sentiront à l'aise de venir au niveau du SONUB pour accoucher. Nos actions auront un impact réel sur la population, c'est quand au niveau des centres communautaires de santé, les auxiliaires infirmières prendront en charge les enfants malades avec l'approche PESIM et disposent des intrants et médicaments nécessaires à cette prise en charge. Nos actions auront un impact réel sur la population, c'est quand les agents de santé communautaire polyvalents se mettront avec nous réellement au travail pour la vacciner à l'amélioration de la couverture vaccinale. Nos actions auront enfin un impact sur la population, c'est quand les différentes instances de gouvernance au niveau du département auront les ressources nécessaires pour jouer pleinement leur rôle. Pays Canada finance projet Prisma 2A pour un valeur 20 millions de dollars canadiens. Ça capable de renforcer services dans une vingtaine de centres de santé dans le département de la Tibonite, dans le domaine de santé sexuelle et reproductive, maternelle et néonatale. Ça qui va réduire en pile la quantité de femmes qui mourent dans le petit monde. Et puis, j'en ai annoncé dans le grand titio, ministère Affaires sociales a travaillé pour établir 775 restaurants communautaires dans tout le pays. Chaque restaurant Silayo a une capacité pour 400 à 500 personnes manger chaque jour. Sous projet yo dénoncer moun ka pran manje yo men ki pa jam fait restaurant. Ministre Landi yo déjà identifié grâce à vigilance population yon moun nan zone Corail, zone Canaran yo remet dossier si la bay la justice poursuite légale yo. Ministre Landi mandé bénéficiaire yo tout pour yo rete vigilant pour dénoncer tout moun ki vle fè magrouille ak restaurant yo. Invité, nous suivions extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre. Nous gagnons des inspecteurs qui allaient régulièrement dans le restaurant pour aller vérifier non seulement que manger a bien fait, il fait dans des conditions d'hygiène appropriées, que quantité que vous faites desservi, quantité de monde que vous desservir, environ 500 à 600 monde par jour. Et pour nous assurer nous tous que le restaurant aurait été ouvert tout mois, toute longue mois, parce que nous allons manger pour lui durer un mois régulièrement. Voilà que nous, il y a un inspecteur, nous, allons en zone, et puis il n'y a pas de restaurant. Entre-temps, nous avons une population qui vient dans la Fayès, qui vient dire qu'il y a tant de restaurants dans la zone, ça, il n'y a pas de restaurant. Donc, Fayès délégué, une équipe allait sur place. Pour ouais côté restaurant, nous pas jouer un restaurant et comme nous connaît, chaque monde qui recevoir produit pour faire restaurant, il gagne, nous gagne nol, nous gagne nifli, nous gagne numéro téléphone, nous gagne côté pour nous joindre. Donc, nous cherchons monde là, nous joindre et nous PayPal calé qui mandé monde pour bay manger. Donc, il son monde qui interpellé. Ça n'a dit matin, c'est que il y a un pile monde qui recevoir manger. Nous ta remet connait, nous ta remet faire connait que manger ak nan men yo. Manger a c'est pour population, manger a yé. C'est pour yo faire manger a pour yo vendre. Et pour population en mesure d'acheter. Donc tout monde qui gen manger a nan men yo, qui poko l'ouvrir restaurant ou qui fait autre chose avec manger ak nan men yo. Nous t'aimons et on connaît que n'a fait travail par nous et n'a demandé la justice pour faire travail par nous. Gagnons monde que n'était pas là avec qui te dit que c'est bandit qui t'est prêt manger à Namel. Si bandit prêt manger à Namel, faut-il bien que bon juge de paix qui ouais ça ou bien t'es gon ou parler la police, gon témoin qui t'es ouais que t'as volé manger à Namel ou t'es fait la police connaît ou t'es un juge de paix. Donc si un monde pas l'ouvrir restaurant et li pa gon papier la police qui montrait que jour ça il te fait appel à la police par rapport à bandit qui t'attaque ou bien que il te fait un juge de paix venir vérifier que manger a été volé parce que si a volé des sacs de riz faut gien du riz tater avant rien des bagages que mon après qui ont preuve que volé a été passé s'il vous plaît nous ta remé yo ouvri restaurant yo parce que manger a c'est pour moun ki pi mal yo, moun ki pi déshérité yo, ki besoin
plat chaud ça tous les jours. Toujours sous même lancé ça, directeur général FAES, Charles-Ernest Châtelier, avec directeur lutte contre pauvreté dans FAES, Gilbert Buteau, fait qu'on est, mais ici là, yo, c'est pour faciliter les gens qui n'ont pas gagné un gros moyen de bénéficier de plat chaud chaque jour. D'après responsable, il est important pour les gens qui dirigent le restaurant communautaire de respecter les principes qui établis pour que personne ne fasse wood crochet à manger. Je suis dans le micro Anne-Marguerite Pierre, en suivant. Lorsque l'État va manger, il faut que la communauté connaisse. Et de fait, c'est ça qu'on fait là. Restez son temps ouvert dans l'Ouest, parce que c'est même ça nous projeter pour nous ouvrir. Mais le 80, parce qu'avant 31 décembre, toutes 775 restaurants qui ont fonctionné sur tout le pays. Mais pour fonctionner, il n'est pas suffisant seulement pour l'État de manger, mais il faut que nous sentions la population sensibilisée. Parce que chaque fois que la population est liée, on a été grand goût là, on a été misère là, nous connaissons, ce n'est pas un bagage qui est structuré lié. Mais lorsque la population joue un plat manger à 10 gouttes, c'est qu'elle est capable de permettre bon soulagement. Nous avons 96 restaurants qui ouvrent dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Nous avons 52 restaurants qui ouvrent dans le département du Nord et une trentaine qui ouvrent dans le département du Nord-Ouest. Parce que le Nord-Ouest est en cours de ouvrir restaurants. Ça n'a pas rappelé, c'est que les restaurants communautaires, non, bien dit, c'est les restaurants communautaires que vous avez. Et ce n'est pas pour les gens qui recevoir manger. Mais il faut nous souligner qu'il y a un pile de monde qui a opéré restaurant communautaire, c'est des gens, c'est des leaders qui ont toute bonne foi et toute bonne volonté et font féliciter les leaders. Il y a des gens qui, c'est par compassion et c'est avec souci de bien commun que a opéré communauté, que nous jouons un signalement pour eux et que nous avons continué à chercher information pour ne pas accuser personne sans preuve et toute bagarre faite selon la loi. Donc il y a des gens qui prennent responsabilité. Libre, il y a un restaurant communautaire, il y a un restaurant communautaire que l'a géré pour communauté, avec communauté, que il n'est pas bon pour vous, c'est-à-dire condition pas bon, ça veut dire l'État baille manger, ou même ou baille local, ou baille et main d'œuvre, ou baille équipement, et ou vendre la 10 gouttes. S'il n'est pas bon pour vous, nous qu'à comprendre ça, condition, et c'est condition que bat quoi, et nous qu'à, il n'est pas bon pour vous, laisse ça ou abdi, ou pas qu'à continuer parce que vous avez expérience. Il y a l'autre monde qui a capacité, qui a assez de leadership pour le faire la population jouer un plat chaud. J'en sais. Parce que l'idée, c'est que c'est des plats chauds qu'il a pour les gens qui sont plus faibles, plus démunis, plus défavorisés. Et bien, quand on a profité d'annoncer tout le monde, 21 à 22 décembre, Cap Vinila, responsable l'école hôtelière d'Haïti, a organisé une foire gastronomique et artisanale qui portait nom marché de Noël dans le local qui chita dans Bois Verna, premier impasse Lavo. Activité ça qu'a réalisé dans l'occasion fête Noël à fin d'année, à occasion pour étudiants l'école l'an fait promotion pour produits à cuisine haïtienne l'an. Marco Grovani Théodore avec Mirland Florilus, c'est une après l'autre, directeur adjoint et assistant chargé événement dans l'école hôtelière d'Haïti. Y a bon nous plus de détails. Nous sommes chargés des événements. Et nous avons une directrice, Mme Karine Condé, qui a créé un nouveau département, ça, qui est le département chargé des événements. Okay? Et son objectif du département, ça, c'est créer activité tout au long de l'année pour permettre que nous avons un revenu supplémentaire qui vient pour l'école là et aussi pour nous permettre que Timonio fait des sorties pédagogiques, crée des activités, des cocktails, de tout ça. So, c'est dans l'optique ça que le département a créé. So, dans même optique ça, nous avons ces premières activités, nous qui c'est au marché de Noël, qui a fait le 21 et le 22 décembre dans la rue. Là, nous disons dans la rue, ça veut dire espace devant l'école. Là, on a bloqué depuis deux barrières, lycée Marie-Jeanne jusqu'à barrière Lopé de Vega. Ce sont forts qui sont forts gastronomiques et artisanales. Dans l'activité marché de Noël, on a gagné
et plusieurs activités. Nous avons un fort gastronomique, Jean-Chef Giovanni Diel déjà. Partie gastronomique est assurée par étudiants à l'école et accompagnée par chef Marvin. Nous avons aussi un show de danse, nous avons un parc de jeux pour enfants. Ce n'est pas seulement grand monde qui est capable d'amuser, mais nous avons un parti qui est réservé pour petit monde. Nous avons un Père Noël et nous avons un parc de jeux, je dis là déjà pour petit monde. Nous avons un bar house, nous avons un cracheur de feu, nous avons un clone pour amuser petit monde. Et nous avons un parti musical qui est assuré par DJ Convec. Nous avons gagné un troubadour qui a passé aussi par le groupe Bullpick. Nous avons gagné des lieux qu'on fait, mais Timonio a gagné un talent. Donc nous avons gagné des étudiants qui ont performé aussi dans l'activité. Donc en gros, c'est ça qui a gagné l'activité. Et nous devons dire encore, la première journée est gratuite, totalement gratuite. Seulement, nous avons besoin de mettre des copes dans la poche pour venir encourager les étudiants, pour venir déguster les plats, pour venir acheter les réalisations des étudiants. Et deuxième journée, nous avons seulement réclamé une participation de 100 gourdes pour pouvoir entrer dans l'espace là. Parce que l'espace là a fermé. Nous allons poursuivre ensemble avec l'information pour nous dire qu'il y a un climat de confiance pour un dialogue plus facile. C'est ça, évêque, proposé dans le message pour fête Noël l'an et fin d'année. Toute entité a dû représenter dans un même espace pour discuter ensemble dans l'idée pour vider tout contentieux qui existait depuis longtemps, yo, d'après évêque en Savoie avec Miragouana, Monseigneur Pierre-André Dumas, qui t'a répondu question Jean-Serge Gignot Lindor dans l'émission Mise au point. N'a pas invité nous suivre et on bout. Pour grand pays ça, développer. Mais nous-mêmes, nous t'apprenons d'abord, tu as un premier dialogue. Nous dit de type politique qui favorisait des bagailles pour issue crise actuelle que nous avons vécue, ponctuelle dans l'histoire. Mais nous pensons un grand dialogue, tout bon vrai, sous tout problème pays, ça, les institutions de ce pays, les blocages qu'il y a dans ce pays, certains problèmes de la Constitution, d'autres réalités, il a donc créé un espace beaucoup plus dynamique côté. Toute entité, toute zone représentée, toute entité dans le pays à représenter, il est capable de conférence nationale, il est capable d'état généraux. Côté Kounyala, Haïti mettait tête dans le dialogue pour un an, deux ans, trois ans, jusqu'à ce que nous arrivions conclu à ça. Donc, nous pas fait de différence. C'est-à-dire que seulement nous, au premier temps, Jean-Bagayo est là, tu as donné plus d'ouverture, tu as donné plus de possibilités pour qu'un dialogue politique vienne. Un dialogue qui permet que toute entité ça est capable de défendre intérêt comme si vous même vous pour Haïti, qui est capable de parler, de discuter, de faire des choses. Nous, Haïti, et pour nous mettre le pays à sous pied. Évêque Philippe dit, et que bon Dieu qui fait nous confiance, lui demander nous-mêmes tout pour nous ouvrir que nous, quitter confiance en vaille nous, pour nous apprendre à vivre en confiance avec l'autre, apprendre à faire l'autre confiance. Mande, donc tout le monde, en fini avec la situation, il a bail l'autre mauvais coup d'en parler. Mauvais coup dans la décision qu'on prend, mauvais coup dans la mauvaise utilisation de l'intention de l'autre là, pour nous finir la question de qualité de méfiance qu'on a créée. Et l'évêque a demandé, puis gros bagaille là, là il y a une entrée dans la confiance avec l'autre, une forte confiance ou ferme confiance, n'a pas marché parce que confiance en Chita, sous bon Dieu dans le ciel là, et bien là, ça, nous avons créé, nous vivons ensemble qui est inspiré par la confiance. Nous avons créé une économie qui est basée sur la confiance. Nous avons créé une politique côté où nous faisons confiance. Nous sommes capables de vivre dans une culture qui est marquée et vraiment touchée par la confiance. Et avec le film net, il dit, rêve nous, c'est que nous arrivions à un bel de nous-mêmes, entre Haïtiens, entre dirigeants, pour nous rendre compte que si le peuple a commencé à manquer confiance, c'est parce qu'il y a des bagailles qui ne sont pas faites, qui sont douées faites. Donc pour nous rejoindre confiance, il faut que nous agissions bien, correctement. Et promesses nous t'es fait, faut respecter eux. Et puis, faut créer plus de situations qui fait peuple à grandir, qui répondent à besoin du peuple là, pour que y'a pas tout le temps à faire des bagailles parce que y'a vienne manifester, y'a vienne marquer par la méfiance. Donc, évêque dit, y'a t'a souhaité contre la confiance ça, nous arrivé signer au début année qu'a venir, hein, pour que chaque haïtien senti que nous vivons une société de confiance, et c'est ça qui est belle, et c'est ça qui a fait ou bien respect pour nous. Ma fini vous dit, c'est Gino. Zansetio, t'es que la guerre entre le Sud, marquée par la présence de beaucoup d'hommes blancs, et le Nord et l'Ouest, qui parfois t'es que des hommes un peu plus de couleur, eh bien,
Donc, quand tu écrives, tu es obligé de rentrer dans un grand système de confiance entre eux-mêmes. Dessalines, Toussaint, Christophe, Capois, ils ont tous rentré dans un système de confiance. Et c'est ça qui fait le banon, l'indépendance. C'est ça qui fait le fait. Haïti fait ça ou elle fait dans l'histoire. L'aider, tout le monde connaît ses mounioyés, tout le monde connaît ses frères que yoyé, et le fait qu'on est que l'ont appliqué. N'après poursuivre pour nous faire connaître l'Université épiscopale d'Haïti en collaboration avec l'Agence Université francophone lancé un séminaire formation lundi 17 décembre. Activité SILA qui a duré 5 jours visait former professeurs et chercheurs qui sont dans diverses facultés sur façon yo capable servir à technologie dans travail. Rodney d'Orléans et Hervé Pierre abdinou plus sur ça dans un compte rendu. C'est 25 professeurs et chercheurs qui sont dans diverses facultés dans le pays qui bénéficient de séminaire formation ça. Maîtriser recherche et puis gain accès à documentation en ligne. C'est un baptême ça, activité ça a déroulé sorti lundi 17 pour arriver vendredi 21 décembre 2018 cap venu là. Dans l'époque n'a vive qu'on est à époque ça nous est l'époque de la globalisation de la modernité. Nous autres haïtiens nous pas arrêter continuer évoluer en vase clos sans tenir compte de ce qui a passé dans le monde. Et je dis de pouvoir parler de université. Il y a trois éléments qui sont incontournables. C'est une langue internationale pour étudier ou qu'on parle. C'est l'esprit d'entrepreneuriat ou pour former mon seulement pour y travailler avec les torbes ONG, former nous capables de créer propre entreprise. Et deux, troisième barrière qui concerne nous tout particulièrement aujourd'hui, hein, l'utilisation des outils numériques, des innovations technologiques dans la formation des enseignants et des professeurs. Professeurs pas venant dans la salle de classe pour venir avec Timo sous papier li, avec cahier li ou bien livre li, pour permettre aux étudiants mieux comprendre sa l'enseigner, pour que ben, la plus matérialiser dans le cerveau li, eh bien, il y a de nouveaux outils qu'on mettait à disposition nous. Les outils numériques, c'est-à-dire la formation grâce à l'utilisation de l'Internet. Expanyo, qui gens sont capables d'utiliser technologie information yo dans recherche et documentation scientifique. Je suis là pour leur montrer les outils de recherche, c'est-à-dire les annuaires, les moteurs de recherche, les bases de données, les bibliothèques numériques, les portails de sites spécialisés de façon scientifique. Étant entendu que jusqu'à aujourd'hui, on s'est rendu compte que la plupart de nos chercheurs se limitaient généralement au moteur de recherche Google, alors qu'il existe une panoplie de bases de données qui donnent accès aux documents en texte intégral, mais ils font partie, ces bases de données, elles font partie, excusez-moi, de ce que l'on appelle le web invisible. Le web invisible, c'est-à-dire que c'est des sites, c'est des portails qui voient y accéder. Série formation ça, responsable INFIO, n'a tête collée à l'agence universitaire francophonie lancée, c'est pour attirer attention participants yo sur importance technologie et puis aider yo maîtriser les outils ça dans cadre travail yo. Moment arrivé pour une prendre l'autre pause dans le journal ça arrêtez. Merci parce que nous avons toujours été branchés. Journal à bras poursuivre sous TNH pour nous faire connaître le directeur communication en direction générale emploi, François Serran. Fait connaître le contribuable bio qui a passé récupérer vignettes pour véhicules dans différents annexes des GIO dans le pays. D'après François Serran, qui t'a expliqué nécessité pour un contribuable gain vignette dans véhicule. Il demande pour tout propriétaire véhicule moto ou machine passer prendre service ça qui est disponible depuis quelques jours. Il était dans le micro Fallon Delphin avec Moïse Wilbridge l'a porté plus précision. En termes de disposition, c'est que nous disposons de vignettes. Ça fait longtemps que vignettes automobiles, ça fait longtemps que tout le monde est attendu. Donc, ils sont disponibles dans tout bureau DGI dans la zone métropolitaine. C'est-à-dire que CDI, sans mission diplomatique, organise l'État qui a besoin de plaques ou vignettes. Donc, toute distribution pour le gros du public,
l'a déroulé au niveau de centre des impôts métropolitains avec toutes les DDI, direction départementale des impôts, et puis au niveau de centre des impôts en province qui au nombre de 4, au gain centre des impôts Wanamet, Akin, Saint-Marc, Petit Gouaf. Donc le mapa est de CDIO, c'est-à-dire que zone métropolitaine pour nous identifier, gain quoi des bouquets, tabac, question de distribution de vignettes là. Donc nous connaissons que pas qu'à gain vignette sans plaque. Première des marchands, c'est plaque d'immatriculation. Donc au gain plaque là, vignette là, valider plaque là. C'est-à-dire que l'IO Balvi, au lieu que tu as fait une plaque chaque année, vous estimez que le plus intéressant que vous mettez en vignette. Vignette là, auparavant que vous avez mis vignette là sous plaque là même, qu'on y a que vous mettez sous pare-brise véhicule là. Pare-brise avant. Donc, vignette là, c'est valider, valider plaque d'immatriculation, tout simplement. Donc, et si on ne met pas de vignette là, au cas de contravention. Mais, on ne peut pas dire, contrairement à l'autre champ de taxation, pas de aucune sanction fiscale qui prévoit si on ne met pas de vignette. C'est seulement sous dans la rue, ou pas de vignette, par exemple, à partir la loi fixe temps pour faire vignette là. C'est même délai et pour te faire plaque là et pour vignette là. Donc, c'est du 1er octobre au 31 décembre. Donc, après 31 décembre, on ne met pas de vignette. Donc, service circulation à bord contravention. Donc, c'est seul Mdakabdou en sanction pénale qui vient. Nous allons poursuivre ensemble avec l'Observatoire Système Financier Haïtien, OSFH, qui présentait analyse li sous projet loi finances 2018-2019, environ une semaine après exécutif lente et déposé devant Parlement. À côté dépenses pour faire l'état marché, exécutif lent prévoit investir une partie dans le budget ça pour permettre pays à gagner un taux croissance 15%. Il y a un chiffre qui est intéressant d'après Kessner Farrell, mais qui doit joindre bénéfice et une stabilité politique. On écoute le micro Esaïe Aurelius avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Le taux de croissance du produit intérieur brut pour l'exercice fiscal qui se finit là, c'est seulement 1,4%. Et notre schéma qui montre nous que nous faisons 4 ans, nous n'avons pas atteint 1,5% de croissance. Qui voulait dire que sans beaucoup compter le nombre de monde pauvre et le nombre de monde qui est extrêmement pauvre, le fait que le taux de croissance là, inférieur économiquement à toute croissance démographique là, il y a des petits mondes qui ont fait qu'on y a là, qui ne peuvent pas satisfaire les besoins que vous avez. Et ça, c'est là déjà, pas pour satisfaire de la situation très difficile. Le gouvernement dit nous également le taux d'inflation en rythme annuel, à savoir si nous prenons septembre 2017 à septembre 2018, taux d'inflation 14,6%. Goud côté gagnant en septembre 2017 là, perdu 14,6% de valeur en septembre 2018. En moyenne annuelle, si nous prenons d'octobre 2017 à septembre 2018, en moyenne, nous avons une inflation de 13,7%. Qui veut dire, puisque par une croissance économique, et bien taux d'inflation, pouvoir d'achat du gouvernement toujours lui-même très optimiste, et je garde les chiffres là, il parlait de tendance qu'a fait, il parlait de l'apaisement social, nous avons augmenté vraiment la santé. D'augmenter au niveau d'affaires sociales, mais est-ce que l'environnement va permettre que le gouvernement apporte tout l'argent? Parce que l'environnement politique est capable de détériorer l'environnement économique et social. Ils ont de bonnes intentions. Souhaitons qu'ils soient capables de l'argent pour être capable de ramener les ressources domestiques à 15% des investissements sociaux. Mais position par l'observatoire là, 15%, c'est un premier pas. Il faut continuer à allouer beaucoup plus d'argent des ressources domestiques vers le secteur social. Donc, pour que le continue et que l'année prochaine, le budget. Précision économiste Kessner Farrell. Et puis, nous allons poursuivre ensemble avec président Commission Justice et Sécurité dans Chambre députée, Jean-Marie Florestal, qui exprimait préoccupation sous crise qui était gagnée dans le paquet Port-au-Prince. D'après député, il y a gagné une étape qui franchit dans la crise là, côté commissaire gouvernement. La bonne ou plus précision, dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Wilbridge. La crise a été préoccupée, mais je vais parler en tant qu'ancien bâtonnier, ancien avocat. Je pense que vous ne pouvez pas tout sur route. C'est ça que je vais demander en étape. Ça, c'est la première étape qui franchit. Le renvoi de OCNAM. Même parce que deuxième étape, là, c'est à Chita, son même étape pour garder
qui l'autre orientation va le prendre pour éviter à ce que ça fait là, il va répéter encore et pour éviter à ce que, pour permettre, créer conditions pour permettre que la justice statue ce cas, puisque bien des gens qui estiment les victimes, ça va veut dire que le commissaire est obligé d'entendre, ça va veut dire qu'il est obligé de mais ça qui est important, c'est que permettre que la justice statue, que le statue et décision li fait avocat au plaisir, li pas fait au plaisir, il y a une voie de recours pour ça. Mais ça qui est important, c'est que bien en situation, bien en fait, il faut que gagner la justice capable de statuer pour décider sur lui. Mais lorsque la justice fait silence, ça veut dire qu'on doit violer. Donc, je pense que le renvoi de n'a pas seulement l'État qui doit franchir, mais il faut que la justice capable de prendre connaissance de questions et puis pour statuer. Information à continuer, Woutio, pour nous faire connaître Mairie Port-au-Prince en partenariat avec la compagnie américaine Griffield Advisors, lancé lundi 17 décembre un projet sous question fiscalité et taxes. Projet ça qui porte nom revitalisation des recettes fiscales de la ville de Port-au-Prince. Viser sensibiliser contribuables sous importance pour payer taxes et puis montrer autorités communales utiliser meilleures méthodes pour améliorer service y a offrir population. Magistrat principal mairie Port-au-Prince-Lan, Yuri Chevry, a porté plus de détails dans le micro Midray Milias avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Lancement. Et on projet de partenariat que nous avons avec une compagnie américaine sous affaire fiscalité, sous affaire taxes et dans la commune de là. Et ça nous remarquer c'est que pour rentrer comme faut bailler service et pour rentrer comme tout faut gain capacité pour connaître exactement chaque monde chaque contribuable et ça a coûté. Et c'est à partir de là que nous avons cherché pour nous joindre en compagnie américaine, mais aider nous bailler service pour permettre que Cob la rentre plus rapide. C'est exactement ça que je veux dire. C'est ça nous commencer à faire dans bailler service qui permet plus de monde payer taxes. C'est ça nous continuer à faire pour essayer plus de bailler plus de monde service pour nous joindre plus Cob pour nous investir en la pays. Nous sommes GSA Corporation. Nous sommes une firme qui est basée en Floride. Et puis nous avons fait travailler ça depuis plus d'une vingtaine d'années. Et donc c'est un plaisir pour nous mairie de Port-au-Prince. Pour nous, c'est une opportunité pour nous démontrer ça nous suisse d'affaires qui aide en municipalité et fait gestion. Donc qui était de faire bordereau, qui était aidé pour faire collecte, qui était logiciel pour superviser et les appareils. Toutes différentes fonctions qui sont en mairie, nous mettons dans le processus pour le logiciel aider les mairies à faire travailler ça plus bien, plus efficacement. Nous prenons l'autre pause dans le journal ça, nous obtenons tout de suite. Et puis, je nous ai annoncé dans le grand titio, examen baccalauréat permanent, commencé lundi 17 décembre, Jean Saté prévoit. Plusieurs candidats répondent présents dans le déroulement première journée dans différents centres d'examens. Nous avons invité nous suivre un compte-rendu avec Fallon Delphin et puis Hervé Pierre. Examen ça yo concerné élèves recalés dans philo. Environ 16 410 candidats dans philo D, 12 787 l'autre dans philo C, ak 845 dans philo A, ta doué participer dans session ça ka fait 17 pour arriver 20 décembre 2018. C'est en première journée qui réussit pour responsable centre examen qui dans établissement cette formation moderne Port-au-Prince malgré gen quelques cas absents qui enregistré. Candidats yo composé très paisible et jusqu'à présent yo gen bon tenue et bon comportement. Donc n'a souhaité que toute reste semaine non bien pendant 4 jours que nous allons passer avec yo pour que nous capable gen yon bon période de décembre dans examen de reprise bac unique. Demain matin y a bien sciences sociales et dans l'après-midi y a bien chimie et puis mercredi c'est mathématiques, mercredi après-midi anglais. Et jeudi matin, il y a bien physique pour philo A. Pour philo C, demain matin, sciences sociales, chimie, dans l'après-midi. Et mercredi matin, mathématiques, anglais, dans l'après-midi. Et puis jeudi matin, il y a bien physique et espagnol dans l'après-midi.
candidat qui pas réussi pendant deux dernières années yo a bien pour subir épreuve dans matière yo pas fait moyenne yo si la yo qui gagne plus temps passer ça a reprendre toute matière yo. Rapidement, nous avons une actualité en sous-plan international. Pour nous faire connaître, j'en ai dit dans le grand titio, 42 personnes blessées après une explosion qui fait dimanche 16 décembre dans Sapporo, sous Hokkaido, zile septentrional japonais. Autorité ont déjà l'ouvrir une enquête pour être capable de une cause difficile à suivre. Un dimanche là, 42 personnes blessées, quelques parmi eux dans un état grave suite à une explosion qui fait dans un restaurant dans le pays Japon. Explosion ça saccagé plusieurs cailles qui fait en bois qui tout près. Ça te prend plusieurs temps pour maîtriser du fait. Enquêteur a cherché pour lier la cause de l'explosion. Dans le mois de février passé, a toujours dans Sapporo, yon caille pour retraiter te réduit ensemble suite à yon di fait côté 11 personnes perdit la vie. Travail barrage hydroélectrique qui après poursuivre dans localité Marion, section communale Grand Bassin, dans commune Terrier Rouge. Directeur départemental agricole Nord-Est, agronome Sylvain Sama, bat bravo pour Jean Travail Silayo avancé. Plusieurs travaux lancés officiellement lundi 17 décembre dans la commune Cité Soleil, dans le cadre caravane changement. Activité ça a fait en présence de diverses autorités dans la commune. Centre coopération internationale en santé et développement, dans tête collée avec ministère santé publique et population, lancé vendredi 14 décembre, deuxième phase projet Prisma dans l'hôpital La Providence Gonaïve. Projet ça a concerné santé maternelle et santé timoun, sorti zéro pour arriver 5 l'année. Ministère Affaires sociales a travaillé pour établir 775 restaurants communautaires dans tout le pays. Chaque restaurant s'il a une capacité pour 400 à 500 personnes manger chaque jour. Examen baccalauréat permanent a commencé lundi 17 décembre. Candidats ont répondu présents pour déroulement première journée dans différents centres d'examen. Dans l'actualité, en l'autre bord de l'eau, 42 personnes blessées après une explosion qui fait dimanche 16 décembre dans Sapporo, sous Hokkaido, île septentrionale japonais. Autorités ont déjà l'ouvri une enquête pour arriver à une cause difficile. Merci tout le monde qui t'a suivi premier sorti journal pour semaine ça. Nos présentations, c'était Linéla. Au revoir.